Qui est le soir de Dieu? Mais on a répondu tout à l'heure. Nous, on t'a dit que déjà, à la base, pourquoi on peut poser les deux? Moi, j'étais sorti Galates pour te dire qu'il y a 12 alliances. Nous, on ne fait pas de. Un tel a choisi, l'autre a été donné. Abraham a eu plusieurs enfants. On a mis l'accent sur ces deux enfants. On te dit que Isaac, ça a été la promesse pour le peuple d'Israël. On te dit que Ismaël, c'est la promesse pour toute l'humanité. En se basant, laisse-moi finir, en se basant sur Genèse chapitre 17, verset 20. Alors, nous ferons une grande nation, je le multiplierai jusqu'à la fin. Genèse 17, avant dit le verset premier. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voilà. Dans Genèse 17, 20, Dieu dit qu'il fera de lui une grande nation. Dans Galates, qu'est-ce qu'il dit? Dans Galates, il dit que cette grande nation, c'est une alliance. C'est pour ça que je demandais au frère, c'est quoi l'alliance de Dieu? L'alliance de Dieu représente le monothéisme. Abraham, c'est le père du monothéisme. C'est-à-dire que l'alliance que tu as avec Dieu, qui est symbolisée par la circoncision. J'établirai mon alliance entre moi et toi, avec tes descendants, après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité. Voilà, c'est ça l'alliance. C'est ça qu'on est en train de dire. On ne renie pas les plus âgés. Nous sommes la seule religion qui ne détruit pas les liens de famille. Toutes les autres religions détruisent les liens de famille prophétique. Les juifs ne croient pas en Jésus, ne croient pas au prophète Mohammed. Les chrétiens ne croient pas au prophète Mohammed. Nous sommes les seuls qui bénissent toute la famille d'Abraham. C'est les seuls qui nous ont uni la famille d'Abraham dans le monothéisme, dans vous les divisez. C'est juste ça, mon frère. Nous, on n'a aucun problème avec Isaac pour reconnaître, on les reconnaît en tant que prophète. Il n'y a aucun problème. Et sache que le Genèse 17, là, que je t'ai cité, sache que les Juifs du Yémen, par ce verset, se sont convertis à Christ. Par ce verset. Et si je demande à un chrétien cette prophétie-là, montrez-moi dans la Bible où elle s'est accomplie, ils ne pourront jamais trouver. Donc, soit Dieu a menti, soit Dieu dit à la vérité, mais il a dit la vérité à travers l'islam. C'est quoi? Ok. Voilà, donc si on n'a pas fait les affirmations dans Genèse 17, verset 19, verset 20, ça c'est quoi la tire? Isaac là, c'est pour Israël. Genèse 17, verset 19. Ismaël, c'est pour l'humanité, Genèse 17, verset 20. Ok. Moi si je comprends bien, Isaac est pour Israël et Ismaël est pour toute l'humanité. Tu comprends bien? Okay. Le prophète qui descend d'Ismaël. Ok, j'ai compris. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Maintenant, tu parles les dots de Isaac, de dots d'Agar. Ça veut dire que Abraham a donné le dot d'Agar. J'ai dit quoi? C'est ça que je voulais savoir. C'est quoi? C'est parce que c'est un peuple dangereux. Non, parce qu'il fait, il fait ça où il tombe. Lui, je sais. Selon toi, c'était sa copine, ou bien? C'est sa copine? C'est sa copine? C'est son mouton? Il a fait consommer. Un petit coup. Et là, c'est Agar. Je vais poser la question. Parce qu'ils disent que Abraham va payer la dot d'Agar. Mais moi, je dis non, Abraham n'a jamais payé la dot d'Agar. Donc, selon toi, c'était sa peau. Selon moi, hein? Non, il n'y a pas de forcément. Non, c'est ça. C'est ça. J'aime bien ça. Tu dis le mot, c'est ça. Ça quoi? Ça? Ouais, moi, je pas dit que la voix semble. C'est ça. C'est dangereux. Attends, comment il a dit ça qu'il y a un peu peur? Il a un peu peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Je ne pas. C'est ça. Il a fourni quelque chose. C'était sa peau. Il n'a pas dit que c'était sa peau. Mais c'était quoi? Mais j'ai dit que Dieu n'a pas payé la dot. Non, c'était sa foi. C'était sa foi. J'ai dit que c'était une erreur. Hé! Donc il a tombé dans la haut. Dans la quoi? C'était une erreur. Oui. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a fait péché? C'est le mot. Ok, regarde. Je te pose la question. Donc s'il a fait péché avec Agar. C'est le mot là. C'est ça, il ne peut pas dire qu'on est là. Il m'a dit. Il a peur. Frère, Agar, tu es en train de me dire dans la voix. Abraham n'a pas dit ça. Abraham a fait quoi, Agar? Il a fait quoi? Donc si je vais être clair avec toi, je vais parler. Abraham a péché. Non, il a péché un quoi, Fézard? Il a fait quoi? En allant avec Agar. Comment? Allons, comment? Il a attrapé sa main pour marcher, ou bien il a fait quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Faut dire pour la
Mais c'est pas grave, mon frère. Mais c'est pas grave. 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 Couche avec ta femme, la commis quoi? La commis la petite. Ok. Abraham a commis quoi? Abraham a la petite. Ok. Sorti ta micro! Là, tu te casses pour parler. Même micro, il n'y a plus pas de distance. Il a commis la petite. Maintenant, regarde, je te pose la question. Écoutez-moi. Attends, je te pose la question. Est-ce qu'on peut punir la tutelle? Est-ce qu'on peut punir la tutelle? Non. Est-ce que Dieu peut mettre la bénédiction sur ce qui est fruit d'adultère? Ok, c'est là qu'on me fait. Je vais répondre à ta question. Une personne qui commet l'adultère, elle est bénie ou maudite? Quelqu'un qui commet l'adultère, tu es béni que tu es maudite. Quelqu'un qui commet l'adultère, tu es béni que tu es toi et moi. Non, moi, il veut savoir. Non, il veut bien que toi et moi. Comment tu appelles chez vous? Non, il veut savoir. Parce que moi, je ne sais pas. Je sais pas. Tu ne sais pas, c'est pas quelqu'un qui commet l'adultère. Là, mais c'est, je te pose la question de toi et moi. Le mot là, comment tu as du bois là? Mais quelqu'un, tu n'es pas. Mais monsieur, tu as appelé ta femme, quelqu'un qui a appelé la tante d'une femme. Ok, il sort là. Elle a fait la commis pour la commis quoi. Non, je te pose la question. Écoutez, j'ai dit, c'est là que le monsieur vient, il ne peut pas donner de ta femme, il couche avec elle. Il a commis la tutelle. Il est maudit qu'elle est venue. Il est maudit. Abraham est quoi? Écoutez-moi. Abraham est quoi? Écoutez-moi. C'est là que j'en viens. Parce que lorsqu'il est parti avec Ada, c'est là que Ismaël est né. On a compris. Donc Ismaël n'est pas alors. On a compris. Donc Abraham est maudit. Il est sorti d'Abraham, mais Ismaël n'est pas. Non. Mais quoi? Il est quoi? Abraham est béni. J'ai dit. Mais pourquoi? J'ai dit. Je pose la question. Je vais répondre à la question. Abraham est béni ou maudit? Mais je vais te lui répondre à la question d'abord. J'ai dit, Ismaël est béni. Il n'est pas béni. Ok. Abraham est pourquoi il est béni? Il a dit, Ismaël n'est pas béni. Oui. Parce que. Je mets ce qui s'est passé. Abraham écoute. A conduit la petite terre. Écoute. Tu as dit qu'Ismaël n'est pas béni. Écoute mon frère, reste là. Tu as dit, bon, écoute, je n'ai pas le titre. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu entends nous tous. Tu as dit, okay. Ça dit, Ismaël n'est pas béni. Toi, tu déclares qu'Ismaël n'est pas béni. Je n'ai dit ça de verset 1. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Stop. C'est qui a béni Ismaël? Non, c'est qui a béni Ismaël? Je vais te dire, voici, je l'ai bénirai. Stop. C'est qui t'a béni? C'est qui parle? Là. C'est qui parle? C'est Abraham qui parle. Non, c'est toi quand tu parles. Non, celui qui parle, c'est qui là? Mais là, moi, je te pose la question. Quelqu'un qui a conduit la tutelle, mais là, l'enfant sort, c'est qui t'a conduit la tutelle? C'est qui t'a conduit la tutelle? C'est qui t'a conduit la tutelle? Écoute, je te dis, c'est qui parle? Comme tu l'as dit, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi au sujet d'Ismaël? À l'égard d'Ismaël. Ok. Toi, tu as dit que Ismaël est maudit. Je crois qui? Dieu ou toi? Je crois qui? Dieu ou toi? Dieu. Non, pas pour ça. Je vous ai dit, j'ai compris le mot.